aujourd'hui, c'est encore Marie Satan. Regardez, ma maman me fait comme toujours une belle coiffure. C'est une tresse collée à la tête. Puis regardez, j'ai comme une mini couette pour tout ramasser. Bon, alors aujourd'hui, en fait, j'ai ramassé, en fait, j'ai amené plein de choses qui étaient à l'école, à la maison. Fait que, d'abord, en fait, j'ai presque tous mes cahiers de l'école qui sont rentrés à la maison. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mes cahiers. Bon, en premier, tous mes cahiers sont marqués. Ils restent avec des ronds bleus dessus. Alors, en premier, mon cahier mauve, c'est le cahier d'éthique et culture. Comme ça, je vais vous montrer des pages que j'ai faites. Ça. Il y en a des comme ça aussi. En tout cas, il y a plein de choses. En tout cas, ça c'est mon cahier d'éthique et culture religieuse. Après, ici, j'ai un gros cahier bleu, encore marqué ici. Mon cahier bleu, en fait, lui, c'est mon cahier de mathématiques. Comme si vous pouvez voir les polygones. Mais tu connais mon cahier. Corrigé. Ah, j'ai un corrigé de l'affaire. Oups. J'ai le corrigé. En tout cas, ça, c'est mon cahier de maths. Puis j'ai même la photo gardée au début. Ma photo. Ça, c'est ma photo. En fait, dans tous les cahiers, je vais vous montrer les photos qu'il y a au début. Ben, pour ceux-là qui ont des photos. What? Ok. Bon. Ici, ça, c'est mon gros cahier. C'est moi qui l'ai acheté avec ma maman. Ça, c'est mon gros cahier, mais en fait, j'ai toutes mes révisions du français. J'ai mon zigzag en français. Puis, au début, la photo, c'est ça, là, je l'ai comme coloriée. Puis, ça, j'ai mon zigzag. Puis aussi, j'ai mon caméléon. Comme ça, puis je sais pas s'il y a une photo au début. Non. Puis tu sais, j'ai mes mots de vocabulaire que j'apprends. Puis tout. En fait, ça. C'est mon cahier. Bon, ça. Le cahier à point rose. Comme à Iris. C'est un notebook, un cahier à ligne. C'est marqué à Iris Dauphinet Licorne. Comme ça, en arrière. En fait, je pense que c'est comme. Tu sais, j'ai marqué genre. À Iris Patouche. Ah, en fait, c'est comme un mini journal intime à l'école que je me suis fait. Je vais vous lire, ok? Ok. Aujourd'hui, vendredi, le 12 février, jour 3. Nous avons fait une dictée. Mon ami m'a dit, il paraît qu'il a vu ma note. Il a dit que j'avais eu 35 sur 45. Merci de m'avoir écouté, super journal intime d'école. À lundi prochain. Bye! Ben bizarre, ça veut dire que je. Ah ouais, je l'écris vendredi. Bizarre. Aujourd'hui, lundi le 15 février, jour 4. Aujourd'hui, c'est plate. Comme à chaque lundi, on fait notre preuve d'étude. Notre preuve d'étude, c'est les mots qu'on écrit trois fois en lettres attachées. Et notre agenda, mais au moins, je crois qu'à la cinquième période, on a une activité spéciale. Merci de m'avoir écouté. Bye. C'était bizarre. Après, aujourd'hui, mardi, le 16 février, jour 5. Yes, c'est trop cool. Après-demain, ce qui veut dire jeudi, le 18, nous faisons un tirage de jouets ou de bonbons. Après, nous allons écouter un film avec des bonbons et un toutou. Ou une doudou, nous sommes en train de lire. Il faut que je te laisse, bye. Ok, j'ai vraiment pris ça comme genre un ami, là, que je parle comme vous en ce moment. Même si je vous connais pas, c'est là qui écoute ma vidéo. Lundi le 18. Burk, on fait des mathématiques. Yeah, j'ai donné la main à mon... En tout cas... À mon chum, mais là c'est plus mon chum, là il s'appelle Brian en tout cas. J'avais full faim ce midi, alors j'ai mangé les restants à Amélie Girard.
Parce que Amélie, là, vous allez sûrement la voir dans une de mes vidéos, je sais pas. En tout cas, j'avais trop faim, j'ai tout mangé mon reste, mais elle avait pas tout mangé, fait que j'ai mangé son reste de dîner. Parce que vous dites, mais en fait, là, Amélie, c'est un surnom que j'y donne, mais son vrai nom, là, c'est. C'est Rose. Chien. Rosaline Chien. C'est ça, son vrai nom, c'est ça. En tout cas, ça, c'est mon cahier de preuve d'études, encore marqué Iris. Regardez, comme vous pouvez voir, c'est ça, les preuves d'études. Pas mal ça pour les preuves d'études. Après, j'ai ça. En tout cas. Après, mon caméléon. Ça, c'est mon caméléon A. Mon premier caméléon. Regardez, ça ressemble un peu à ça, ce que j'ai fait. En tout cas, il y a plein de choses dans le caméléon qu'on peut faire. Ici, j'ai mon cahier d'analyse de phrases. Je n'en ai pas fait beaucoup, beaucoup. Ici, là, mon professeur, elle m'a tout fait te recommencer. C'est pour ça que j'ai tout barré puis j'ai tout marqué en plus propre. Ben parce que c'était marqué en propre, sauf que j'avais mal fait mon travail, c'est pour ça. Il y a aussi des dictées lignées qu'on a faites là-dedans. Mais aussi, genre, je n'ai fait comme à la fin, là. Comme ça, c'était pour la fête, la fête des mères. Il y a Audrey. En tout cas, ça, je parlais à mon amie. Dans la classe, là, je l'écrivais puis j'y montrais. Comme ça, c'est drôle. Mon amie, elle s'appelle Ana Gabriela Murillo-Lopez. Murillo-Lopez, en tout cas. C'est une espagnole, pour ça que son nom est là. Bon, en tout cas, ça, c'est mon cahier pour mathématiques. Comme vous pouvez voir. J'ai encore parlé avec mon amie dans ce cahier-là. Ah, mon agenda, le plus cool! Regardez. C'est moi, OK, qui ai mis les singes. C'est moi qui ai mis les singes parce que je trouvais que la pochette normale était vraiment laide. Fait que j'ai mis les singes puis les gommettes. Puis notre agenda, il ressemble un peu à ça, là. Mais à ma année, notre agenda, il était beaucoup plus rempli. Des fois, je dessine dedans. En tout cas, un agenda, c'est un agenda. Bon, mon caméléon B. Comme ça. En tout cas, là, vous savez sûrement c'est quoi un caméléon, là. Fait que vous savez sûrement c'est quoi. En tout cas, pour ceux-là qui écoutent la vidéo avant d'avoir fini leur caméléon, là, trichez pas. Parce que c'est plate, non. Vous saurez pas. Ici, j'ai des feuilles que j'ai pas fait. Et que je pense qu'il fallait que je fasse. Mais je les ai pas fait parce que j'étais trop vache. Ah! J'ai fait un dessin que je vous montrerai pas. Parce que ça me tente pas. Des feuilles, des feuilles. Ah, oh, c'est des feuilles de français. Ah, oh, non, pis de maths. De l'école, un cahier de Noël. Je vais vous montrer un dessin que j'ai fait. En tout cas, il y a des affaires de même. Il y a des dessins. Il y a des choses comme ça. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires qu'on peut faire. Bon, mon cahier maintenant de devoirs. Je sais, je les ai mal coloriés, là. Parce que ça me tentait de faire n'importe quoi. Tu
C'est des devoirs de même là, que ma Mélissa, mon professeur, ma Mélissa et Madame Lisa me donnaient parce que j'ai comme deux professeurs. Parce que mon vrai professeur au début de l'année, c'était censé être Madame Lisa. Sauf que là, elle s'est cassée l'épaule, fait que c'est rendu ma Mélissa. Comme ça. Bon, ça c'était mon cahier d'avoir. Maintenant, mon cahier de français. Ma mère, elle me collait ça parce que j'avais un peu de la misère à dire ça. C'est marqué. De méchantes langues prétendent que vous valez moins que rien en français. Réussissez un bon mot et gagnez le double des points alloués. Puis, votre dernier devoir vous a mérité un ange et deux étoiles bonnies de 5. Vous réussissez une petite colle. Bien, ça c'est mon truc de français. En tout cas, j'ai plein d'affaires en français. Il y a ma voisine qui chante. En tout cas, ça, c'est un cahier que j'ai pas utilisé, comme vous pouvez voir. Parce que je n'ai pas eu besoin. Mon papier construction. Ça, c'était ma composition orale avec Amélie sur les dauphins. Sauf que là, j'ai mal dessiné. À un moment donné, je vais sûrement faire une vidéo puis je vais vous montrer la pancarte que j'ai faite avec... Bien, ça s'appelle pas Amélie, elle s'appelle Rosaline Chien. Enfin, en tout cas, j'ai fait la composition avec Rosaline Chien. Ça aussi, je l'ai faite avec Rosaline Chien. C'est Miss Univers. Ça aussi, je l'ai faite avec Rosaline Chien. Je l'ai faite avec Rosaline Chien parce que c'est ma best friend. Ça, en fait, j'ai rien fait dedans. Parce que j'ai pas eu besoin de le prendre. Bon, fait comme vous pouvez voir, en fait, ça c'est toute ma pile que j'ai eu à faire. Bon, fait que c'est ça. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, faut tenir votre langue pour pas le dire à ma soeur Iris Dauphinet. C'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous avez aimé cette tresse ou plutôt cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Fait que c'est ça.